dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, j'ai ramené tout le local dans une forêt. Ouais, des toilettes plutôt cool. On est là, petit sac à dos. Attends, là t'es déjà perdu la terre. Il va pleuvoir. Allez, on active. Allez, on s'active là. Ceux qui mettent pas leur pied dans l'aéroport. Franchement, là c'est dur. Hein. Je suis au bout de ma vie. Ta tente, elle est cassée, Fab. Ça va aller, Fab, on va le remettre. C'est mal la vache. Waouh. Il y a une piscine. Les gars, pronostic, qui dort pas là? Bouzy. Bouzy. Je mets ma main à couper, Bouzy dort pas là. Vas-y, dors avec nous, frère. Bah, même si on passe une mauvaise nuit, ça va être un bon souvenir. Mais on vient de se mettre tous là, on passe pas tous dedans. Hein. On est tous en domino. Ça va être le meilleur souvenir s'il pleut. Sur le moment, tu passes un coup de galère. Mais après, tu te souviens toujours avec le souvenir. Mais après, ouais, tu dis putain, tu te rappelles comment on avait galéré. On se dira, tu nous as ramené en quoi, Théa? Mais en vrai de vrai, c'est marrant. Je vous avoue, là, j'ai un petit coup de mou, mais après, je reviens. Mais t'inquiète, ça va aller. Je reviens. On commence à avoir de la fumée quand on respire. Ouais. On va avoir froid. C'est-à-dire que cette nuit va cailler. Moi, je suis un pire. Bon, bah, bisous, Roro. On va prendre une bière. Tu veux un truc? Ouais, super, bonne soirée, Théa. Ouais, salut, bisous. Je vais aller mettre ma doudou dans son jeu. Moi, j'allais mettre ma clé dans le scénic. Pour rentrer. Non, tu rentres pas. Je pense que je vais mettre une arme et je vais rentrer, les gars. Non, attends, si je suis pas là, c'est normal. Si je suis au local sur mon matelas, super gonflable, super confortable. J'ai super peur de la hauteur. C'est très bizarre ce qui va se passer. Elle est plus légère que toi, Vince. Ouais, mais t'es à pour chercher la vache. T'es à. Non, tiens pas la vache, regarde-moi. Elle est à 600 mètres d'altitude. Il y a quelque chose. Hein. On reconnaît les youtubeurs. En fait, Théa. Et lui, il est tout en détente. Ça, c'est la ficelle. Il a Théa sur ses épaules. Moi, reste autour du feu. Ça pleut moins déjà là. Ça pleut moins déjà là. Ouais, ok. On va pleuvoir encore. Va les regarder, va les guetter. Tu fasses 3 tours avec la boucle au milieu de la boucle. Je m'en rappelle plus. Vous t'inquiète en cas où elle bascule en fait. 3 fois. Et à la fin, tu tires sur la petite bite par-dessus. Je parle pas de mon doigt. Tu viens de mettre la bâche. Et là, tu tires sur la boucle pour la serrer. Yes, doucement. Recule. Encore. Marche arrière. Y'a rien derrière moi parce que je vois encore, rien. Encore, t'inquiète. Tu peux. C'est bon, ok. Attends, je descends. Attends. Il faut dépiquer du coup, on a fait ici. Pire moment. J'ai le vertige. C'est vrai? Mais oui. Par contre, tu m'as dit que j'avais grossi. Non, pris du poids, pas grossi, pas forcément grossi. Pris du poids? Ouais. Vite, j'arrive. Quoi? Enlève. Papy! C'est un papillon de venir. C'est une jolie! Allez, Mathis! Bouge pas! Je l'enlève! Bouge pas, je l'enlève! Elle pique pas, elle mord pas! Mais elle va pas venir sur le doigt! Ah, Flo! Quand même! Il essaie de l'enlever, mais sans la tuer! Ah oui, donne-moi une. C'est la meilleure séquence! C'est plus longtemps sur les chenilles! C'est une petite chenille! Allez, Mathis! Arrête de rigoler! Il va l'enlever! Mais allez, Flo! Qu'est-ce que t'attends, toi aussi? Putain, enlève-la, merde! Oh, comment elle est toute mimi? C'était une petite chenille verte de rien du tout. J'ai donc en fait je l'ai enlevé. Demain c'est pas du tout un papillon. Ah, ça pique. Elle va upgrader. Excellent. Un petit peu, au moins pour le lancement. En gros, si j'ai bien compris, et ça va servir à lui. Si tu arrives en 2-3 coups, bah, tu arriveras avec le gros bout de coton. Main gauche. Trop d'or. Clac. Une aventurière. Clac, clac. Voilà, le bâton sur le coton. Vas-y. Et gratte fort, vas-y, frotte. Donc là, tu vas poser le coton, on va l'allumer. Partie, on met les boules. Partie, on met ça. Ensuite, on met ça. Vas-y, par-dessus. Ok, moi, je prends du fil. Après, tu mets pas de fil. Are you ready? Allez. Allez, ça part. Vas-y le ballon en fait. La fois ça marche. Fab, vas-y, envoie dans 2 ou 3. Non mais ça marche de ouf. Bah où on voit tout. Les 3 coups. Ah bah puis Ronan il danse. Ça c'est le boulot qu'il vient de prendre, voilà. Vous voyez là comment ça fume bien noir là. C'est quoi la vanne? Quand il parle de boulot, tu crois qu'il parle de travail? Bon là ça fume.
est moche. Moi je trouve beau. Sur une échelle du beau, parce que nous on est beau, on est quand même pas au top de notre beau, tu vois. C'est pas du faux, mec. Tu vois les gars, mon régime se passe super bien. Je vais aller chercher le bois que j'avais mis au sec et je me suis pris une ligne tendue en courant. On part en excursion pendant qu'ils sont en train de préparer le barbecue. Vous pouvez voir ça sur la chaîne de Valouze. Avec Romain, on va à sa voiture parce qu'il reste encore des trucs à récupérer. Il fait pas encore trop nuit, mais un petit peu. Ça fait peur de ouf. Non, non, non. Eh, pars pas sans moi. C'est quoi? Attends-moi, me laisse pas. Eh, pour traverser toute la forêt, ça fait trop peur. On va croiser des animaux, ça se trouve. Mais il y a des sangliers et tout, hein. T'entends le chien? C'est quoi? Non, c'est une chouette. C'est une chouette, t'es sûr? Putain, il y a plein de bêtes. Oh, ça glisse. Ouh, ok. Putain, va falloir faire le même dans l'autre sens. Je vais essayer de me changer, ça va être une mission. Je vais pas filmer quand je me change, hein. Détendez-vous, je vous raconte juste. Parce que là, regardez derrière moi, nous sommes au milieu de la nature. Comment je vais faire? One eternity later. J'ai réussi ma mission. T-shirt, jogging. Ouh, je tombe. Un legging. Eh, franchement, là, ça, c'est l'aventure dure. Ah oui, tu peux... C'est bon. Tu peux te retourner, hein. Oui, je suis avec Romain, il s'est retourné, il a des tapis qui loin, ne paniquez pas. Romain, ouais. Si jamais on doit se battre, j'ai la solution. De l'eau pour besoin. Oh, oh. Bon bah là, je crois qu'il fait vraiment nuit là pour le retour. Hein. Tiens, ta lampe pour voir. On y va comme ça? Non, 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 non. Après ça, viens, on fait des petites vidéos tranquilles. Ouais, viens, on fait un haul. Oh, regardez-moi dans quoi on y va là. C'est horrible. C'est horrible. On va se casser la gueule en plus. Ouais. Ouh, c'est une vieille limace dégueulasse juste là. Tu filmes ça là? On va là-dedans là. Mec, c'est horrible, mec, c'est horrible. Regarde par terre. Quoi? En fait, c'est pas drôle. Viens, faut parler fort, comme ça, ça va faire fuir les animaux. J'étais bien. Moi, je pense que la prochaine fois, faut faire le local à la kermesse, ouais. Des bordels comme ça. Tiens, on a marre. Je me suis pris une branche. Où on se met. C'est mes concepts à la con, je suis une grosse connasse. Non, y a pas d'imagine, non, c'est pas le moment. Je pense que c'est mort, hein. Arrête, tu vas éteindre le feu. Non, 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 mais arrête, Vincent. Ah, mais il y a des bruits chelous. Une tomate? C'est son heure, hein. Il va aller démater du campagnol. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mieux, là, c'est bon? Tout à l'heure, il est devant nous, il monte son pion. Ah, excusez-moi, excusez-moi, c'est parce qu'il me parlait. Tu pleures? Mais tu dors pas, là. Ah oui, il est chanceux. Il est boss, il a un peu de pêche, quoi. Merci, Mathis. Bah, vous avez une serviette dedans. Il est pas bien, mec. Tu m'étonnes, ta mère. Mais je galère là, de ouf, regarde ce que j'en ai ras le cul. Tout ce qu'il y a dans ma boîte se mange, c'est pas des conneries, c'est pas de l'empoisonnement. Tout ce qu'il y a là-dedans, je le bouffe, moi, je le mets dans ma bouffe. Vas-y. Rien d'ailleurs. Attends, pas trop près. Oh, sa mère. Ferme tes yeux, vas-y, mange. Ah, il y a normalement, c'est croustillant. C'est pas dégueulasse. Je suis allergique au gluten. Au gluten, j'en ai pas là. Il mange de la viande. C'est pas mal. Moi, je suis végétarien. Il est végétarien? Non. Un peu, un peu. Montrez la caméra. Ça va être mou. Ça va être mou quand tu vas le mâcher. Et croque-le, ça va devenir mou. C'est très bon. Je sais même pas c'est quoi. Attends, il va devenir croqué. Bah, ça va devenir mou. Faut le mettre dans la bouche, quoi. Non? Ah ouais, c'est de la viande de bison. Oh putain, j'aurais voulu avoir ça. C'était de la viande séchée. Il est vivant. Oh putain, attends, faut que je le trouve déjà. Tu le prends, tu mets dans ta bouche et tu réfléchiras demain, tu vois. En vrai, mets dans ta bouche et tu réfléchiras après. Vas-y, prends-le et mange-le. On repense à un chips au cumin. Direct. En vrai, c'est une chips. Regarde, croque, croque, croque. C'est comme une chips, ça a pas de goût. À vous, ça a pas de goût. Ça a pas de goût. C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est tout sec. Ça, c'est un petit verbe, je sais pas quoi. Vas-y, tu vois, c'est tout séché. Bah oui, bah non, on finit. C'est un demi bestiole. La gueule. Pas un insecte, pas. Bah, respect Théa, je suis content quand les gens ils apprennent. Un truc costaud, vas-y, tu peux y aller. T'es prête? Par contre, c'est encore, faut que je bois de l'eau. Ça a pas le même goût que quand c'est en frais et tout. En vrai, ça va. Ouais, mais c'est psychologique. Tu sais que c'est un truc, ça va? Ça a quel goût? Je dirais, c'est pas des épices un peu. C'est une sauterelle. C'est un genre de petit insecte. Regarde sa petite tête. En vrai, elle est belle, hein. Ça vient nous voir la nuit. Oh là là, je la vois. C'est immense.
monde. Mais non, mais il va y en avoir dans notre duvet. Les amis, on va faire une balade nocturne en pleine forêt. Mais enfin, on va marcher sans. Moment éphémère dans le noir. Quand les lampes seront éteintes, ouais. Et que du coup, nos yeux vont s'acclimater. Quelqu'un veut prendre ma place à côté de Roro là? Non, personne. Racine. Racine. Racine, t'arrêtes bien. Oh la vache. Ah, oh la vache. Attends, Bouzy, tu vas trop vite. Il y a Roro qui est trop vite. Le premier va derrière. Oh, t'inquiète, on reste comme ça, on est bien. Mais Roro, tu fais quoi? C'est une racine. Non, Roro. Il y a des racines par terre, les gars, faites gaffe un peu. Ça va penser quoi? Bah, franchement, c'est une chose à faire. T'as kiffé? Ouais, c'était bien. En fait, on t'as voyait kiffé, un peu. Ouais, ouais, on voyait. Hein. Là, il est 1h du matin presque. Hein. Oh. Bah, c'est l'heure de rentrer. C'est l'heure de dormir. En fait, on avait 2 heures de retard avec la pluie. Au local au camping, on avait déjà fait des chamallows grillés. Mais là, c'est dans un feu. Et là, on fait dans un vrai feu, on a glow up. Et je me rappelais pas l'avoir passé, lui. C'est chaud? C'est bon? Et je te l'ai dit. Il y a des limaces, putain de sa mère. Moi, je dors chez moi. C'est comment? Mais en vrai, franchement, c'est bien, hein. Oh, mais toi, t'as double matelas, du coup. J'ai pas envie de me mettre trop sur le bord non plus, là-bas, là. Ce n'est pas rien, là. T'as une toute petite tête. Il est où, tu crois qu'on va être humide? Il est où, mon duvet, je pense, hein. Bon, on va cailler, c'est mort. En vrai, je sais pas forcément, t'as froid, Pied, ou pas? Non. Et c'est presque mine, votre truc. Ah, en vrai, vous allez être bien. Pourquoi t'as hésité comme ça, toi? Je sais pas. Faire une nuit dans un hôtel de luxe? Ouais, donc, on fait ça la prochaine fois. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, il a pas la. Là, mes pieds, mais sa tête, elle va où? Tiens, tu peux monter la fermeture? Regarde, il a déjà dit ça, j'ai c'est cata? Bah, c'est pas ouf, quoi. On va s'habituer. Je suis en train de mettre mon deuxième survêt. En vrai, j'ai pas froid, mais je suis pas très à l'aise, quoi. Fab, il m'a prêté des chaussettes. Attendez, je vous les montre, c'est des chaussettes de ski. Ah, faut que je ressorte du duvet, là. Mauvais plan. Regardez. Il y a écrit Simon. Ah non, Snow. Simon. Je sais pas, il est où? Non, il est où? C'est pas possible. Mais c'est sûr, si on dort dehors, on dort par terre. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait pas? On va dans le scénic. On dort dans le scénic. Viens, on dort dans le scénic. C'est bon, c'est bon. Vous êtes installé? Non, non, là, il y a des scarabées et tout. Moi, je me casse. Il y a des bestioles qui mangent. Vous êtes pas endormi, déjà, là? Non, non, mais il y a des scarabées et tout. Vous endormiez les scarabées? Ils mangent là, c'est les potes de l'autre de tout à l'heure. T'es malade. Putain, mais il a disparu. Moi, par contre, là, je l'ai vu et je l'ai plus vu et il a pas pris de chemin normal, donc ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Peur de toi maintenant. Non, non, mais en fait, il me monte dessus et tout, c'est mort. Il est où? Mais c'est sûr, je l'ai vu passer par là. En dessous? Oh, il est là-bas, regarde, regarde. Je vais pas réussir. J'étais, j'en ai marre. On y va? Viens, on essaye de dormir ici. Par contre, les oiseaux, ils font du bruit à partir de 2h du matin. Mec, c'était le zoo, hein. Sur une échelle de 1 à 10, t'es fatigué comment? Franchement, je suis fatigué 4. 4? Ouais, j'ai dormi quand même. C'est juste que j'ai pas arrêté de me réveiller et d'avoir froid en fait. Mec, on a dormi 3 heures quand même, c'est pas beaucoup. Hein. Bah, ça suffit ici. Hein. Ça, c'est une très bonne réponse. Pas plus. Fatigué à combien? En vrai, je suis fatigué, mais ça va, tu vois. Mais moi, en vrai, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Hein. Mais Pide, elle s'est couchée. Elle a dit, bon, bah, moi, j'y vais. Non, mais Pide, elle appuie sur un bouton. Ici, elle a un bouton, ouais. On et off. Quand elle appuie sur off, elle dort. Puis c'est un truc d'image. Ça va, elle bousille. Il a pas l'air à fond non plus, quand même. Hein. Elle bousille. Sur une échelle de 1 à 10, t'es... là, t'as de la force comment, là. Il ne répond même pas. T'as dit quoi? Pas beaucoup. Pas beaucoup. T'as bien aimé ta nuit? Ça va. T'as vu lui aussi, il a glissé, regarde. Il est parti tout là-bas, il est fini jusqu'ici, Fab. Mais quelqu'un le connaît, lui? C'est qui? Qui l'a invité? Il y a un mec qui s'est incrusté dans notre tente, les gars. C'est pas l'allée des chaves. C'est vrai qu'il a une sale dégaine. J'ai les pompes trempées, et Pidi, elle est partie pisser cette nuit, là. Elle a laissé mes pompes là, sauf que... Ouais. Oh, putain. Là, il pleut, là. Ouais, bisous, chaton. C'est sûr, il y a des animaux dans nos chaussures. T'as bien dormi, chef? Il est en PLS. Ça va, gros? Ouais. Ah, t'es pas mal la nuit en vrai, sympathique. Ouais, ça peut aller, mais j'ai connu mieux. Je mets ma main à couper Bouzy dans le bol. Attends, ils vont couper des bûches là de bon matin? Tu le connais le. Tu sais le TikTok? Mais qu'est-ce qu'il fait de bon matin? Tu l'as jamais entendu celui-là? J'ai pété plein de fois dans mon duvet. Ça a fait partir les bêtes, ça se trouve que c'est grâce à toi qu'il n'y a plus rien. Oui. Merci Fab. Non, rien. Tu t'es dévoué pour la patrie. Mmh. Mec! Ça me dégue. Là c'est pas possible, hein. Mais c'est pas possible. Sur 10 ressentis de la nuit. La nuit pas ouf, je dirais 4. Montre-moi t'as dormi où toi, parce que toi t'as dormi là où est Ronan. Ok. Sur le banc. Je suis tombé 3 fois avant que. Je suis tombé 3 fois. J'ai tombé une fois. Il a mal au dos, mais sinon ça va. Oh là là. J'avais chaud. Matt, tu peux essayer ton hamac? What, mais t'es trop bien ici. T'as dormi comment? Trop froid.
Mais confort. Ça va pas craquer, t'es sûr? Non. Moi je passe, tu passes. Et comment on fait pour se balancer? Bah non, tu peux pas trop. J'adore! C'était incroyable. Non, mais après c'était super, hein. Ah ouais. C'était incroyable. Bah, je suis content qu'on passe là la nuit ce soir. Ah. De nuit, ça va être trop bien. La première, on cherchait. Tu l'as fait. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, de bon matin? Bien. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? C'est l'heure du petit-déj. Elles sont où les doigts? Mathis, monte tes fesses à la caméra. Tu veux des clips? Super drôle, Mathis. Ouais. Tu veux un doigt? Ouais. Vas-y, prends-le, donne-le-moi. On peut avoir un doigt? Tu es le plus fort. J'ai le droit d'avoir un doigt? J'en prends deux. Ok, je croyais que t'allais m'en donner un, mais... Non, m'en fous. Mais t'aurais pu m'en donner un pour être gentil et en reprendre un autre après. J'aurais pu. Viens, moi je t'en donne un et toi tu m'en donnes un. Merci, Mathis. C'est entre adorable et clic. Pour se laver les dents, faut pas le faire très souvent. Ça peut abîmer l'émail. On va récupérer de la cendre, on va se laver les dents avec de la cendre. Le faire une fois, on risque pas grand chose. On va vraiment prendre la cendre de notre feu, genre. Voilà. Ça, c'est ça? Ouais, toute la poudre. Mets toute la poudre et après, on va la trier. Okay. Après, avec les dents les de la fourchette. Ah, ok. On pourra faire un petit raclé. Avec les dents. Ouais, c'est vrai qu'on est raclé avec nos dents, avec en fait. Nos dents. Yes, Val, je te laisse gérer le feu pour qu'il parte bien. Pas envie de fou comme ça, quoi. Les gars, on est en train de faire la cendre, en fait, là, pour se brosser les dents. Moi, j'avoue, je sais pas si je vais faire. Hein. C'est ton Colgate, ça? Mais il y a plein de gravier, là. Bah, vous allez mettre du noir dessus. Tout, il vient faire une pote. C'est la galou. Ah oui, non, là, il faut remettre beaucoup de cendre, là. Faut vraiment que ça ait une gueule de pâte. Là, j'ai mis pas grand-chose pour toi. Allez, vas-y, vas-y. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est parti. Attends. Mais une bonne portion, il a dit. Mais c'était gravier. La portion de terre. Oh, tu l'as fait. Alors ça couille. J'en ai pas mâché. C'est dégueulasse. Quand Ah, là, je crois que t'as pas les dents très propres. C'est moi qui récolte le plus rien. Ah, pas bouffe de la terre, quoi. La cendre, en plus, c'est un corps parfait parce que c'est une absence de matière. J'avais un petit peu la matière. Il dit qu'il n'y avait pas de matière. J'ai des morceaux, moi. Et là, normalement, tu sens que tes dents, elles sont plus lisses. C'est vrai, par contre, ouais. Petite douche. Ah, ça fait du bien. Ça m'a détendu le crâne. Non, c'est bon, c'est vrai. C'est la fin du campement. Il n'y a plus rien. Ils sont en train de plier les dernières. Et ensuite, on va y aller, quoi. It's time to go, hein. Bisous, le campement. Dites au revoir au campement. Salut le camp. À jamais. Cours. Franchement, après le local en camping, le local en survie, faut trouver un autre truc pour détrôner ça. Ça va être compliqué, hein. Le local en hôtel 5 étoiles, piscine, spa, sauna. À Dubaï. Fab, on peut rentrer à la maison. Ouais, mon 10, j'ai une idée pour toi. Quoi? Le local dans un bungalow 5 étoiles. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Pas mal. Prenant, c'est là que nos chemins se séparent. Tout le monde est larmes. On a eu quand même des sacrées aventures. Est-ce qu'on a été un bon groupe? Vous étiez un groupe marrant, sympa, volontaire. Il y en a beaucoup qui disaient ah, j'oserais pas faire ceci, cela. Et au fait, ils ont tout fait. Marcher dans le noir, manger des bestioles, se laver les dents avec de la cendre. C'est c'était vrai. Super. Franchement, au top. Pour un premier week-end survie, je pense que c'était au top, non? Premier et le seul. Hein. Bisous. Bisous, bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Remettez-vous douche. Plaisir. Oh là là. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous voulez qu'on amène le local dans la prochaine vidéo. Parce qu'en vrai, cette série, après le camping et la survie, il y a moyen de trouver d'autres petits concepts comme ça qui sont non mais des trucs plus chill. Faire le camping au local en soi, c'était plus chill. Ouais, maintenant bien. Finalement quand on y pense, j'espère que vous avez kiffé. Toutes les chaînes de tout le monde sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, la chaîne Twitch de Mathis, la chaîne de Fab, tous les réseaux de tout le monde. On vous fait des gros bisous, prenez soin de vous, kiffez votre vie et profitez de votre matelas, la bise.